C'est pure folie. Vous n'avez jamais porté d'armure, encore moins guerroyé. Il va vous oxyre dès le début du combat. Tu vas arrêter de t'angoisser. Ne suis-je pas messire patronne? Un peu de confiance, nom d'un chien. Je veux lui rabattre son cahier à ce crâneur de sagremort. Voilà. Allez, debout. Oh, ça me pince un peu, là. Posez-la, maintenant. En avant, chevalier. Oh, excusez-moi, c'est bon, je suis très à l'aise. Oh, une seconde, attendez, j'essaie de contrôler la situation. Veuillez lever les bras, messire patronne. Je sens que je repars. Tout à fait ajusté. Allons, on avance vers moi, je vous prie. Oui, c'est parti. C'est parti. Ah, défendez-vous. Mais qu'est-ce qui te prend? Écarte-toi. Je vois ton petit jeu. L'épée à deux tranchants. Et l'arme qui convient dans le corps à corps, messire. Cette épée est ma fierté. Allons, levez-la, messire patronne, comme si vous alliez me fendre en deux. D'accord. D'accord. Merci. Je vais la lever. Levez-la, messire patronne. Je vais la lever. Fendez-moi en deux. Je vais vous fendre en deux. Allez, levez-la. Je vais la lever. Allez, je crois qu'on va arrêter la leçon ici pour aujourd'hui. Je serais contente qu'on m'extrait de cette carapace, parce que j'ai l'impression d'être une dinde rôtie. Messire patronne, il s'agit d'une armure de combat. Il y a des rivets tout du long. Et on ne peut point vous l'enlever sans la détruire. Vous rigolez, j'espère.